pourquoi avez-vous conçu cette œuvre ? Alors, j'ai conçu cette œuvre parce que bon, j'avais envie de travailler sur une idée des interactions au niveau de l'échelle globale. Et je trouvais qu'on est baigné dans les océans, la Terre, et du coup, je trouvais qu'on avait du mal à appréhender ces échanges-là, ce mouvement-là des océans. Et du coup, je voulais faire une œuvre qui puisse faire sentir aux spectateurs cette idée de sentir ici et maintenant ce qui se passe ailleurs. Et en plus, je travaille beaucoup avec l'idée de la mer, de la vague, comme quelque chose à la fois qui nous rapproche et qui nous éloigne. Et du coup, j'avais envie de travailler là-dessus. Est-ce qu'elle est spécifique à l'exposition du quai ou pas du tout ? Pas du tout. Elle a été créée en 2015 à la suite de toute une réflexion autour de ce que je viens de dire. Elle a été sollicitée pour intervenir dans cette exposition. Et du coup, est-ce qu'on peut avoir des petits détails techniques et comment elle fonctionne du coup, Alors, comment elle fonctionne ? Donc, c'est une installation qui est en temps réel. Cette installation, elle... Donc, il va chercher les données qui sont transmises par des bouées de l'océan Pacifique Nord. Donc, ces bouées sont utilisées par les chercheurs. Ils mettent à disposition ces données en ligne. L'installation a plusieurs petits ordinateurs qui s'appellent Raspberry et ils vont chercher ces informations-là et puis ils vont les transformer pour avoir une surface de mouvement, un mouvement dans l'installation qui soit en quelque sorte statistiquement identique à celui qui se trouve au niveau de la surface de mer de la marée, de la bouée. Pardon. Et en quoi du coup cette œuvre fait écho à Planète Mer par rapport à l'océanographie et le dérèglement climatique ? Ben, je ne connais pas tout l'ensemble de l'exposition, mais je pense que la mer et les vagues constituent un des éléments régulateurs du climat. L'interaction eau-air, c'est très important pour le climat. Mais aussi, après, toutes les vagues, ils ont une interaction avec la Terre, tout ce qui est la côte, la morphologie de la côte, et je pense que ça fait partie intégrante des problématiques liées au climat et à l'océanographie. Voilà. Merci beaucoup. Je vous en prie.